Bonjour, on va regarder comment créer un projet avec CodeBlocks. Donc c'est assez facile, hein. Donc on va dans New Project. Alors on va faire nous un projet de type console application. Donc on choisit ça, après Go. Bon, ça la vous pouvez cocher ici, vous l'aurez pu la prochaine fois. Là on va se contenter de faire Next. On choisit notre langage, nous notre projet on veut le faire en C, hein. Donc on y va. Là, on va donner le titre de ce projet. On va faire un projet pas très compliqué, on va écrire coucou. Donc, je me mets dans un dossier qui s'appelle CDEMO, hein. Le projet s'appelle coucou, et donc le projet va être contenu dans un dossier qui va s'appeler CDEMO et coucou. Donc, je fais next. Ici, je laisse cocher debug et release. On peut, si on n'a pas besoin de débugger, on peut éventuellement décocher, mais bon, c'est pas forcément une bonne idée. Et là, on fait finish. Suite à ça, on se retrouve avec notre projet qui est créé ici, un dossier pour les sources, et quand je clique sur plus, je vois le main.c. Donc je fais un double clic dessus pour l'ouvrir, où j'écris Hello World. Nous, c'est pas ce qu'on voulait. On peut écrire coucou. Stdlib.h, on n'en a pas besoin. Je l'enlève. Je sauvegarde. Je compile. Alors là, il y a l'option de compilation, donc bon, on va mettre release. Donc je compile. Je vais voir dans les messages de compilation. Zéro erreur, zéro warning. On est des champions. Et on fait donc un petit run. Et donc on a bien le coucou qui s'affiche. Donc là, on appuie sur une touche pour fermer tout ça. Donc on a notre projet qui contient un premier source. On pourra en mettre d'autres. Arrivé à ce stade, on a atteint notre objectif. Donc, on va par exemple fermer le projet. Je fais un clic droit et je fais Close Project. Et sur ce, je vous dis à bientôt.